Bonjour Jean-Pierre, Bonjour nous Michel. sommes ici pour présenter donc cette nouvelle chaîne YouTube, La Place de Vérité. Donc, qui sommes-nous? C'est une excellente question, Michel, et on se pose cette question déjà depuis la nuit des temps. Alors, qui sommes-nous? Je vais faire une réponse qui pourrait paraître prétentieuse, mais qui en réalité est simple, et elle nous définit bien. Nous sommes des cherchants. Voilà. Alors des cherchants, ça veut dire que nous essayons de trouver des réponses à des questions d'ordre philosophique, ésotérique, voilà, des questions qui font que la vie à laquelle nous appartenons mérite d'avoir ces réponses. D'accord. Donner un sens donc à la vie personnelle de chacun. Absolument. Pourquoi la place de vérité ? Alors pourquoi la place de vérité ? Alors d'abord, si vous permettez, Michel, je vais quand même juste compléter un petit peu la première question. Je vais dire qu'on s'est inspiré, alors là aussi, hein, n'y voyez pas de côté prétentieux, on s'est inspiré des écoles de pensée qui existaient auparavant. Et ces écoles de pensée diffusaient un savoir, diffusaient un enseignement, ou partageaient un enseignement plus exactement, sur des thèmes qui paraissaient essentiels. L'astrologie, la cabale, la magie, la gnose, l'alchimie, bref, tout un tas d'arts ou de sciences qu'aujourd'hui on a tendance à un petit peu négliger ou à oublier dans notre vie, dans le tourbillon de notre vie quotidienne, mais qui sont quand même essentiels pour répondre aux questions dont on parlait tout à l'heure. Alors pourquoi, effectivement, ce nom, la place de vérité? Eh bien, la place de vérité, c'est une référence justement à notre terre, à l'Égypte, à Kemet, hein, ce qui est quand même le berceau de nos civilisations. Hein, l'Égypte antique nous a apporté, et encore aujourd'hui, tout un tas de choses. Si nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, c'est aussi parce que nous sommes passés par là. Donc, la place de vérité, ça fait référence au village des artisans. Au village des artisans, qui était le village d'Er el-Médiné, et ces artisans avaient pour mission d'œuvrer à la construction des demeures d'éternité, des pharaons, bien évidemment, mais aussi de tous les notables et de personnes qui étaient reconnues dans l'Égypte ancienne. Donc, nous sommes ces artisans aussi, aujourd'hui, en étant des cherchants. Et je précise quand même que la place de vérité, ça se dit sept maat, et que dans maat, il ne faut pas prendre, il ne faut pas le traduire forcément par la vérité au sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais plutôt par la notion d'équilibre. Hein, l'équilibre, c'est l'harmonie. Hein. Il faut bien savoir que les Égyptiens considéraient que chaque individu œuvrait à l'harmonie du tout. Voilà. Alors, je ne sais pas si on arrivera, nous, à œuvrer à l'harmonie du tout, mais si déjà on arrive à se mettre en harmonie avec nous-mêmes et à œuvrer à la recherche de notre vérité, hein, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas la vérité, il y a des vérités. Il faut, ce n'est en rien, j'allais dire, dogmatique. Hein, si je détiens la vérité, c'est catastrophique. On est dans le dogme. Voilà. Et la dernière question, pourquoi faire? Alors pourquoi faire? Eh bien, tout simplement pour partager ces recherches avec des hommes et des femmes qui sont peut-être chacun sur ces chemins de manière individuelle. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais, nos sociétés sont un petit peu dans le côté rapide, superficiel, et c'est difficile, hein, à part les livres, bien évidemment, qu'il faut consulter, mais il est bon aussi de se connaître, d'échanger, de bâtir ensemble. Et la place de vérité aura pour but, justement, d'inviter et de partager les savoirs de chacun
sur, ou du moins les grandes questions qu'il se pose, sur les thèmes que nous avons évoqués. Donc, ça n'a pas de but, j'allais dire, autre que cette notion de partage au niveau des connaissances. C'est le propre d'un cherchant. Donc, à vous tous, vous retrouver rapidement sur la place de vérité. Merci Jean-Pierre. À très bientôt.